Good morning, Aleiden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Nissim Ben Aouda, Sarah Bat Hana Rachel, Rachel Rachel Bat Sarah, ainsi que leur frère Tarek Ben Shachar, et Rafael Zvulun Ben Chayam Alabetor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez la Sacrée Éternelle. Nous étudions Maserhet Avot, Perke Mishnah Yud Bet. Arba Midot Batal Midim, Maher Lishmoa, ou Maher Leabed, Yatsa Scharo Be Efsedo. Caché Lishmoa avec Caché Leabed, Yatsa Efsedo Bischaro. Maher lishmoa vekashel leabed, chacham. Kashel lishmoa, maher leabed, ze chelek ha. On va commencer par traduire littéralement toute la Mishnah, puis après expliquer rapidement les principes qui sont évoqués. C'est simple. Arba midot ba talmidim. Il y a quatre mesures, quatre types d'élèves, de disciples. Il y a celui qui est maher lishmoa ou maher leabed, celui qui comprend très vite, entendre dans le sens, entendre toujours, c'est traduit dans la Torah de trois manières. Il y a écouter dans les oreilles, écouter dans la tête et écouter dans le cœur aussi. Shema, Kabel, Ve'aven, quand on fait dans le Shema Israël, c'est toujours, ça veut dire entendre profondément jusqu'où ça vibre ce que l'on écoute. C'est pas que le tympan qui vibre, c'est même la tête et c'est même le cœur qui s'est influencé. D'accord, en tout cas, ça c'est pour le mot Shmiya en général. Concrètement dans la Mishnah, Maher Lishmoa, celui qui comprend très vite, lorsqu'il apprend, on lui apprend quelque chose, il écoute bien, il est très vif, il comprend très vite, mais le problème c'est qu'ensuite il est maher le abed. Il perd ensuite très vite tout ce qu'il a appris. Il ne regarde rien en mémoire, le pauvre. Alors, yatsa scharo befcedo. Littéralement, il est sorti son salaire par sa perte. C'est-à-dire, il a perdu bien plus qu'il n'a gagné. Pour regarder le rapport dans le mot de la Mishnah, ça veut dire que ce qu'il a gagné, ça a été dépensé et perdu complètement, englouti complètement par sa perte. Il a un défaut qui est bien plus embêtant que son atout. Alors, à la différence de celui qui est caché l'ishmoa avec caché la bed, celui qui a du mal à comprendre, il reste concentré, il n'y arrive pas, c'est dur. Mais d'un autre côté, une fois qu'il a compris, alors caché la bed, il ne le perdra plus. C'est dur pour lui de le perdre. Ça reste bien ancré dans sa tête. Ouais, il est peut-être plus long à la détendre pour comprendre, mais une fois qu'il a compris, ça reste bien fixé, gravé dans son cœur. Alors lui, il y a tsahef sedo besraro. C'est vrai qu'il a... littéralement, je reste encore, il a sa perte qui est sortie contre son salaire, c'est-à-dire, il a gagné plus que ce qu'il n'a gagné. Il a gagné plus que ce qu'il n'a perdu. Ouais, à l'inverse, ça veut dire, c'est quelque part, ça pourrait être traduit par sa perte a été engloutie par son sera. Au final, il a beaucoup plus gagné, puisqu'il garde, il retient. Ensuite, il y a bien sûr le beau gosse. Maher lishmoa avec Hachel et Abed, chacham, celui qui comprend très vite, et qu'une fois qu'il a compris, ça va se graver dans sa tête, et il est caché la abed, ce sera même long et dur jusqu'à qu'il perde, qu'il reperde ce qu'il a acquis. Alors lui, c'est le vrai chacham, c'est le vrai sage, celui qui a été gâté par le ciel, et caché l'ishmoa ou maher la abed, le pauvre, lui c'est celui qui est dur à comprendre, et une fois qu'il a compris, ça lui reste quelques minutes dans la tête, et puis après, il ne sait plus où il habite déjà. Les maher la bed, il perd très rapidement. Alors lui, Zechelekra, eh ben, il a eu une mauvaise part. Il n'a pas été gâté par Hachem. Ça implique quoi, cette Mishnah? Ça implique d'abord plusieurs choses. Des ordres de priorité. Mais tout d'abord, par rapport au premier, il y a un conseil technique. Il vient de nous dire, sache que si tu remarques que toi, tu es maher lishmoa, on pourrait voir, c'est fréquent quand on est dans les yeshivot, quand on est dans les kolélim, on voit des gens qui sont très piquants, que dès qu'on leur pose une question, tout de suite ils pensent de la hypothèse. Dès qu'ils vont apprendre une halakha, ils vont tout de suite poser une question super forte. Et puis ensuite, une fois qu'ils vont poser la question forte, ils vont se trouver une super réponse et tout ça. Mais vous allez parler avec ces gens-là. Deux jours après, ils ont tout oublié de ce qui s'est passé. Comme si que quelque part, ils ont une très forte capacité intellectuelle superficielle, si je peux dire. Ils jonglent vite avec les données pour déduire tout ça, mais ensuite, concrètement, ils gardent rien. Alors, la Mishnah vient nous dire, sache que t'as pas du tout été gâté par rapport à celui qui est en train de peiner et de répéter des dizaines de fois jusqu'à qu'il comprend, parce que c'est dur à lui faire rentrer dans la tête. Parce que lui, au moins, hein, quand ça va rentrer, au moins ça va pas ressortir. Alors que chez toi, chez celui qui est vif pour retenir, mais ensuite, pour comprendre, mais qui ne retient rien, sache qu'il est en grand déficit. Au final, il a bien plus perdu que ce qu'il n'a gagné, il lui reste rien dans la tête de ce qu'il a étudié. Et la grande conséquence, c'est ce qui rapporte ici le Tiferet Israël. Eh ben,
Et c'est tout simplement qu'il doit répéter plusieurs fois, comme ce que la Mishnah, comme ce que la Gemara nous dit. Eno domé shone pirko me apamim, mais c'est de celui qui reprend 101 fois. C'est-à-dire, il a beaucoup plus de mérite et de salaire, celui qui reprend son perek, le chapitre qu'il étudie, qu'il reprend 101 fois, plutôt que celui de 100 fois, pour pouvoir se le graver dans la tête, qu'il retienne bien. Reprendre. Et d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai vu aujourd'hui Rashi dans Avodah Zara. Je pense que j'étais à Dafyud Bet, plus ou moins. Non, je pense plutôt Dafyud, tête même. Alors là-bas, il écrit aussi dans Rashi, il faut prier dans Tachonen Adam Dat, qui pense à mettre toute sa kavana, qui prie Hachem, qu'Hachem lui donne la chokhma, la bina, la date. Ça, c'était pour celui qui a du mal à retenir alors qu'il est très vif, qui devra reprendre, jusqu'à qu'il réussisse à se le graver dans sa tête. Ensuite, on compare ça. Celui qui comprend vite mais qui ne retient pas, à celui qui retient mais avec difficulté, en nous disant que finalement la Mishnah vient nous dire massage que le deuxième il a beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de réussite. Quelle est la conséquence entre les deux? Ça rapporté dans le Bar Tanoura cette fois-ci. Tout simplement, si on a de l'argent pour financer un seul étudiant, on préférera financer celui qui peine pour comprendre, mais qu'une fois qu'il a compris que ça lui reste gravé dans la tête, parce que de lui sortira quelque chose de bien plus grand que celui qui est vif, mais qui retient rien. On ne parle pas qu'il retient rien parce qu'il a sa tête dans son iPhone ou sa Game Boy ou je ne sais pas trop quoi. Non, on parle qu'il retient rien parce qu'il a moins de mémoire. Il faut savoir qu'on préférera financer celui qui retient au final, même s'il peine à retenir. Bien sûr, celui qui sera le super prioritaire, ce sera celui qui comprend très vite et qui retient tout, à la différence de l'autre qui n'a vraiment pas été gâté du ciel. Chacun a son petit bout sur terre, mais en tout cas, lui, il n'a pas une belle part, comme ce que nous avons dit. C'est celui qui a du mal à enregistrer, à comprendre, et qui ne parvient pas à enregistrer, justement, que ça s'efface très vite de sa tête. Alors lui, il a le chalekha. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov, c'est là.